Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, un peu de changement ces derniers temps, à commencer par la chaîne, par le nom de la chaîne, qui je trouve est un peu plus. Euh, c'est un peu plus évocateur que booster ma la Mademoiselle Webmarketing, on comprend déjà tout de suite mieux ce, que ce dont je parle. Et il va y avoir encore d'autres changements. Donc là, notamment on a aussi le décor qui est un peu plus sympa que le rouge à chaque fois. Et il va y avoir aussi un logo animé euh, créé par une agence de communication. Vous allez voir tout ça dans les prochaines semaines. Alors aujourd'hui, on va parler de comment récupérer des adresses e-mail en 2016. Je, je parle bien ici en 2016, hein, vraiment, c'est d'actualité. Et c'est une question qui a été posée par l'un d'entre vous. Et j'ai trouvé cette question très pertinente qui peut aider d'autres personnes. Et j'ai euh, sélectionné plusieurs façons. Et bien, je vous dis tout. N'oubliez pas de vous abonner. A tout de suite. Mmh. Alors déjà avant de voir comment récupérer ces adresses, on va voir quoi faire pour les récupérer. La première erreur c'est de ne pas faire de PDF. Non ça c'est faux, ça ne marche pas. J'ai remarqué vraiment une véritable différence quand je suis passé du PDF à la vidéo pour offrir cela en échange des adresses mail. Vraiment je vous conseille de passer directement à la vidéo si vous débutez en 2016. Mais attention pas une vidéo spécialement pour avoir des adresses e-mail. Ce que je vous conseille, c'est plutôt d'offrir un module, donc souvent le premier module, d'une de vos formations. Pourquoi je dis ça Parce que déjà, d'une, ça va être forcément de qualité, parce que ça va être l'une de vos formations. Ça intéresse forcément et nécessairement votre audience, puisque forcément vous faites une formation en rapport avec votre thématique. Et la troisième chose, c'est que ça va pouvoir montrer la qualité de votre travail, et donc en conséquent peut-être que ça va derrière faire des ventes. Donc peut-être que les personnes vont vouloir acheter toute la formation complète parce qu'ils ont été séduits. Et cinquième point, c'est que justement vous n'avez pas de travail en plus à faire, vous avez juste à apprendre à copier, coller. L'un de vos modules et l'offrir gratuitement grâce à votre autorépondeur. Alors, comment techniquement on fait Parce que j'aimerais ici, dans, sur cette chaîne, vous dire à chaque fois techniquement et vous montrer comment on fait. Parce que les conseils théoriques, c'est bien, mais on ne sait jamais comment faire au final. Et bien, comment vous faites Vous allez soit sur Dropbox ou soit sur Google Drive. Vous, euh, vous importez dessus un fichier. Donc, en l'occurrence, votre fichier MP4. Du, de votre premier module. Dessus, vous allez faire euh, clic droit, euh, obtenir le lien de partage. Ce lien-là, vous allez le copier et le coller dans votre autorépondeur. Donc, euh, l'autorépondeur, pour chip ça va être dans euh, Sign Up. Ensuite, ça va être dans euh, Thank You Page. Et donc, là-dessus, vous allez pouvoir euh, copier le lien où c'est écrit « Merci pour votre, euh, votre inscription, voici le cadeau. » Hop, et là, vous mettez le lien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si euh, vous avez d'autres autorépondeurs, c'est plus ou moins la même chose. Mais en tout cas, techniquement, c'est comme ça qu'il faut faire. Si vous avez des questions euh, par rapport à ça, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Donc, maintenant, on a vu quoi faire pour récupérer les adresses mail. Maintenant, on va voir comment. Alors, déjà, si vous avez toujours un site internet... Il y a un super plugin WordPress qui s'appelle Social Locker. Social Locker, ça permet en fait de flouter une partie de votre article. Et les gens vont être obligés de soit rentrer leur adresse mail pour voir tout le reste. Et à chaque fois, c'est comme ça, en fait, une fois qu'ils ont mis leur adresse mail, ils sont tranquilles pour tous les autres articles. Vous pouvez leur demander de liker votre page. Bref, vous faites ce que vous voulez là-dessus. Euh, Quoique je ne suis plus sûre que ce soit justement euh, les adresses mail que ce soit possible. Je suis plus sûre. Je dans social, je pense qu'il y a réseau social. Enfin, c'est à vérifier, en tout cas, c'est assez sympa, du moins pour avoir des inscrits sur votre page, à la rigueur. Et comme ça, ça force un peu les gens à faire cette petite action et voir ce qu'il y a derrière pour la curiosité. C'est quand même pas mal foutu, ce petit plugin. Euh, je vous laisserai le lien en dessous si vous l'allez voir. La deuxième chose, si vous avez toujours un site internet, c'est que sous chaque article, vous allez laisser un lien d'inscription vers des cadeaux, vers euh, vers ce que vous voulez, mais comme on l'a vu, c'est mieux d'offrir un module de votre formation. Et comment on fait ça pour, euh, pour que ça soit en automatique, puisque c'est ce qui nous intéresse quand même, c'est le plugin, le plugin WordPress Post Layout. Et une en fait, c'est simple, vous allez pouvoir euh, placer ce, ce formulaire avant ou après, sur votre page d'accueil, etc., où vous voulez. Mais, ainsi, ça fait le boulot à votre place, et comme ça, vous n'oubliez pas l'action principale, puisqu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous devez derrière faire un appel à l'action, et ici, automatiquement, ça se fait, vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Vous faites tranquillement votre article, et à la fin, les gens qui sont intéressés, qui se sont dit, tiens, c'est pas mal, il y a ces cadeaux-là en plus, que je peux avoir, je peux avoir accès à ce module euh, gratuitement, je vais m'inscrire euh, tout de suite. Eh bien, ça marche euh, à chaque fois et en plus en automatique, et c'est ça qu'on aime. Maintenant, sur YouTube, eh bien, sur YouTube, vous allez pouvoir mettre des fiches, vous allez pouvoir mettre des liens cliquables, vous allez pouvoir mettre des liens dans la description, et les gens qui ont vu votre vidéo, à la fin, vous dites qu'ils peuvent euh, gratuitement avoir ceci ou cela. Et comme c'est la fin de la vidéo, qu'ils ont peut-être rien à faire après, qu'ils sont vraiment intéressés par votre contenu, vont pouvoir cliquer sur votre lien et donc du coup avoir accès euh, à ce qui les intéresse. Mais vous, vous avez eu leur adresse mail et c'est ça qui est intéressant. Donc sur YouTube, c'est vraiment c'est un très bon taux de conversion. Plus fort que sur les sites. On vous encourage encore une fois à créer votre chaîne YouTube. Maintenant, parlons sur Facebook, parce que sur Facebook aussi, vous pouvez récupérer des adresses email. Déjà sur votre compte professionnel, vous pouvez mettre des liens de temps en temps, sans forcément que ce soit vu comme du spam. Vous pouvez juste rappeler à votre audience que vous avez, euh, voilà, vous possédez euh, ce module gratuitement. Vous pouvez leur offrir avec le lien, avec une petite image sympa. Ça peut passer tout seul. En tout cas, moi quand je le fais, je reçois à chaque fois une dizaine, une vingtaine d'un coup d'inscription en plus. Donc pourquoi s'en priver Donc sur votre compte professionnel Facebook, si vous en avez un ou sur votre page Facebook si vous en avez une. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous invite à créer les deux parce que ça vous fait toujours des adresses et des clients en plus. Maintenant, la pub Facebook. La pub Facebook, ça peut vous rapporter des adresses mail à condition d'être efficace et d'être maligne. Alors pour cela, vous n'allez pas juste faire de la vente directe sur Facebook. Vous allez d'abord passer par une page de capture. Comment on passe par une page de capture Vous allez sur un TPE Go et là-dessus, vous allez pouvoir faire des pages de capture gratuites, peu importe votre autorépondeur. Donc c'est très pratique et ensuite c'est sur votre autorépondeur que vous allez pouvoir renvoyer le contenu gratuit ou payant de cette publicité Facebook. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, toujours penser à capturer les adresses e-mail, quoi que vous fassiez. Autre méthode, c'est de faire de temps en temps des formations gratuites. Euh, je sais qu'il y a quelques marketeurs qui le font, c'est très efficace. Vous allez étonner votre audience de leur offrir des formations, ça va les intéresser totalement et vous, vous allez récupérer des dizaines, voire des centaines d'adresses e-mail d'un coup. Mais forcément, euh, vous allez ok donner beaucoup de contenu gratuit, mais par derrière, vous allez pouvoir aussi faire une séquence automatique en proposant d'autres produits complémentaires, d'autres produits tout court, et du coup, vous allez pouvoir faire ainsi des ventes par derrière, notamment si vous avez réussi à convaincre votre audience par votre formation gratuite. Et enfin, dernière méthode, c'est pourquoi pas faire des vidéos spéciales de temps en temps. Parce que si vous proposez à chaque fois la même chose à la fin de vos vidéos, peut-être que les gens ne sont pas forcément intéressés, ne sont pas forcément concernés, mais que si vous offrez une vidéo spéciale de temps en temps sur tel ou tel sujet, voilà, toujours dans votre thématique, ça va pouvoir matcher avec leurs attentes et là, ils vont entrer leur adresse mail pour avoir ce contenu que vous proposez. Donc voilà, mettez-vous aussi à la place de vos clients. Si vous proposez à chaque fois la même chose, il ne va pas forcément donner son adresse mail, pas qu'il vous aime pas, mais parce que ça ne lui correspond pas, il ne voit pas l'intérêt de donner son adresse mail. Donc faites des vidéos de temps en temps, des appels à l'action différents, en proposant du contenu différent, gratuitement, et c'est comme ça que vous allez récolter vraiment beaucoup d'adresses e-mail. Voilà pour cette vidéo, et bien pour moi, vous pouvez télécharger gratuitement mon module sur comment avoir 1000 abonnés sur YouTube en 3 mois, donc c'est gratuit, le lien est dans la description. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez que j'évoque d'autres choses, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je ferai également une vidéo. Et bien, je vous souhaite de bonnes vacances, profitez bien et puis on se retrouve bientôt. Salut!